Bonjour à tous et à toutes, mon nom est Hypnotique Marc, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Until Dawn, le jeu cinématique, on pourrait presque appeler ça un film. Je suis bien content de vous retrouver. Juste avant de continuer là où nous étions arrêtés, alors que nous avons vu le tueur dans le bureau du Dr Hill, est-ce que c'était dans notre imagination? Je ne sais pas. Alors, quelque chose plus tard. Ça, c'est les nouveaux effets papillons qu'on a débloqués. Sam a trouvé une batte de baseball et l'a laissée dans la cave. Sam a eu la possibilité d'utiliser la batte de baseball lorsqu'elle était poursuivie. Sam a eu ce qui fait en sorte que Sam frappe le psychopathe pour s'échapper. On sait qu'elle s'est fait endormir. Hein. C'est comme ça que ça a terminé. Mike s'est libéré au piège à ours. Mike n'avait plus de machette utilisable. Oh, est-ce que ça va faire quelque chose? Meilleur ami de l'homme. Mike n'a pas frappé le loup. Il va y arriver quelque chose avec le loup. Matt a approuvé le plan d'Emily d'aller à la tour pour chercher de l'aide. Et Sam se fait attraper. On va savoir tout ce qui va se passer. Et précédemment dans Until Dawn, c'est pour ça que j'en parlais pas trop ce qu'on avait fait dans les derniers épisodes. Oh putain, on doit se casser d'ici. Je comprends pas ce qui s'est passé. C'est un truc de dingue. Il faut qu'on aille chercher de l'aide. Eh oh. Les mecs? Salut, Samantha. Tu me cherchais? On devrait aller chercher les autres. Mike et Jess sont partis se tripoter et personne ne sait où est ça. Je crois qu'elle est au chalet. Pourquoi est-ce qu'on parle encore de ça? On y va! Et regarde! Une tour de guet. Matt, c'est quoi ça? Ah, j'en sais rien. Et voilà, on reprend ici, chapitre numéro 6 sur 9, Vengeance. 5 heures avant l'aube. Qu'est-ce que tu vas faire? On contrôle Matt. Bouge pas. C'est des cerfs. Ils veulent juste nous sentir, c'est tout. Non, Matt. Ils vont nous faire du mal. On voirait presque dans le pôle nord là, avec tous ces rennes. En fait, ce sont des cerfs, ce ne sont pas des rennes. Je m'en excuse. Je ne les frapperai pas, parce que j'ai comme l'impression qu'ils vont s'énerver si je les frappe. On contrôle maintenant Emily. Ils sont toujours en route les deux. Allez à la tour de guet pour chercher de l'aide. Y'a pas quelque chose ici dans ce coin là? Non? D'accord. La caméra change automatiquement lorsqu'on va dans le coin. Ouais. On va continuer notre route d'alors. On arrive à voir quelqu'un à la radio. On y arrivera. Il faut leur dire qu'on a besoin d'aide. Mais qu'est-ce qu'on fait en attendant? On rentre au chalet et on réunit tout le monde. Oh non, pas le chalet. On pourrait rester ici. On sait jamais, au cas où quelqu'un voudrait nous contacter. Faisons d'abord marcher cette radio. Ah, voilà cette fameuse radio. Oh, je vois plus rien! Non, sans deck. Je vois pas, c'est quoi? C'est une lumière de sécurité. Un détecteur de mouvement. Il y a quelque chose par terre ici. Un petit totem. Totem du conseil, je crois que c'est le dernier, les amis. Oui, on a l'ensemble des totems de conseil, c'est bien ça.
On a l'ensemble des totems du conseil, c'est bien. On a au moins fait quelque chose à 100% dans le jeu. On aurait pu avoir un petit trophée ou quelque chose comme ça aurait bien été sympathique. Mais bon, continuons de marcher. La lumière qui s'est éteinte. Ça n'a pas l'air très solide, ça. D'accord, il a laissé la hache là, lui. Je ne sais pas trop pourquoi il a laissé la hache. Je dois avouer que c'est pas évident de monter avec une hache dans un escalier. C'est quoi ces rafales de vent ? Allez, on est presque dedans. D'accord, on a plusieurs choses à observer ici, donc essayons de faire tout observer. Vous avez trouvé cette personne, Anna. Personne t'a retrouvé. Affiche d'Anna, une affiche de personne disparue représentant Anna Washington. Il mentionne son tatouage et ses lunettes. Vu ce qui se passe ce soir, leur disparition me paraît moins étrange. Bien d'accord avec Matt cette fois-ci. Derrière cette porte, j'imagine. La radio fonctionne. Génial. C'est bon. Bien joué. Ok. Un point pour Matt et Emily. Alors bête, une affiche de bête maintenant. D'accord, ça prend juste la feuille, je croyais qu'on allait pouvoir peut-être recliquer dessus. N'est pas branché. Terminé, terminé. Merde. Alors,
sang. Merci, on a besoin d'aide, s'il vous plaît. Bonjour, vous essayez de nous contacter? Ici les gardes forestiers de la région de Blackwood. Nous ne captons pas bien votre signal. Parlez lentement et clairement. Terminé. S'il vous plaît, par pitié, aidez-nous, on est bloqués à Blackwood Mountain. Et y a cinglé. Si vous nous entendez, répétez votre message, nous ne comprenons pas ce que vous dites. Au secours, aidez-nous. Allô? Identifiez-vous, s'il vous plaît. Terminé. Oh putain, ok, je suis... Je m'appelle Emily. Allô? On ne vous entend pas. Veuillez répéter, terminé. Nous sommes à Blackwood Mountain, près du chalet. Et il y a un tueur qui nous pourchasse et il a déjà tué un de nos amis. C'est pas vraiment pitié de nous aider, s'il vous plaît. Ah, ça c'est une bonne nouvelle, ça. Quoi? Quand? Bientôt? À l'aube, au plus tôt. Pas avant l'aube. Putain. Oh, merde, il est là! Il est pour moi! Mais pourquoi elle dit qu'il vient pour lui? Et merde. Sans leur mort là. Ah non, Matt est encore vivant. Ils ont tombé dans les mines. Elle est encore vivante. J'arrive. Oh, moi je croyais qu'elle est morte. Matt, tu dois faire quelque chose maintenant, putain. Qu'est-ce que t'attends? Je réfléchis. Arrête de réfléchir, crétin. Sors-moi de là. Emily, t'es sous choc et tu dois te calmer. Hein? Ça va aller. Ah, mais arrête de parler, j'en peux plus. Arrête de me crier dessus et laisse-moi gérer. Ok. Non, toi, arrête! Pourquoi est-ce qu'il faut toujours que tu remettes tout ce que je dis en question? J'en ai marre! Je vais essayer de t'atteindre et de te remonter. Maintenant, est-ce que tu pourrais me sortir de ce merdier? Bon, j'essaie de rester sympathique, là. Ça tombe.
J'ai préféré sauver Matt, je me doutais qu'Emily allait mourir. Je crois que même si... je sais pas si on aurait pu la sauver. Mais on a fait un petit effet papillon. Je voulais être un salaud à un moment donné. Et laisser tuer, laisser se faire tuer quelqu'un. Elle était pas là? J'en sais rien, je l'ai pas vue. Elle a dû venir par ici. Je l'ai pas vue non plus. On les avait cachés. Ah! C'était quoi ça? Merde, mais qu'est-ce qui se passe par ici? Donc pendant que Matt et Emily, eux, sur ce... Je voulais te dire, ce qui s'est passé dans l'abri, je sais à quel point c'est dur, George était ton ami. Ah, je laisse toi. Non, je veux dire, enfin, merci. Merci de m'avoir sauvé la vie. Et je pouvais faire quoi? Laisser quelque chose t'arriver? Je pouvais pas. On l'a déjà regardé, cette, ouais, cette photo. On va aller partir rejoindre ses sœurs, hein, d'une certaine manière. Ash, tu vas bien? Ouais, c'est juste... je sais que toi et Josh étiez... Regarde ça. Chris, qu'est-ce qui s'est passé ici? Je suis pas vraiment un expert, mais je dirais qu'on l'a balancé. Est-ce qu'il y a d'autres choses à récupérer ici? Il semblerait que non. Il semblerait que non. Qu'est-ce que c'est? Bou. C'est juste pas possible. C'est vraiment flippant. Je dois avouer que c'est un petit peu étrange tout ce qui se passe. Elle est vraiment couverte de sang. Attends deux secondes. Est-ce que t'as vu ça? Est-ce que j'ai vu quoi? Ça, Chris, ça! Ça veut dire quoi, ça? C'était comme une forme transparente, comme un fantôme. Mais non. J'ai dit que je l'avais vu, ça vaut vraiment rien pour toi. On a vécu un enfer ce soir, d'accord? Tu es au bout du rouleau. Je suis au bout du rouleau. Je ne crois même pas à ce que j'ai vu. Je sais pas. Je sais pas, j'ai vu quelque chose. Chris... Ash, c'est bon. Tu as... on pète vraiment les plombs en ce moment. On va se ressaisir, d'accord? T'es avec moi? Chris... On garde notre calme. On est en train de devenir dingue ou quoi? Écoute, c'est le seul endroit où peut être Sam. Je voudrais qu'on aille chercher tous les autres et... Et si Sam a besoin de nous? Si elle a des problèmes? Oh non! Il marque un point là, Chris. On bouge. La porte va se fermer. Non? On va faire le saut, moi j'en suis sûr. Là, on est à combien de temps de vidéo là? Bon, on a encore le temps. La lumière qui clignote, ça fait un peu mal aux yeux. J'imagine rien du tout. Ouais, ben, j'ai vu des choses moi aussi.
J'ai vu ce qui est arrivé à Josh dans l'abri. Et c'est ça qui m'inquiète. Oh, Chris. Je sais. Je sais. Tu sais ce qui m'inquiète vraiment? Ok, je m'inquiète pour Sam. Qu'est-ce qui lui est arrivé s'il y a un psychopathe dans le coin? Alors, elle est peut-être morte. Non, dis pas ça. S'il te plaît, Chris. Y'a rien ici, je croyais que c'était de ce côté qu'on devait aller. Bonjour Chris. Regarde, 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 regarde Chris. Là, dans les fenêtres. Voir quoi? Les meubles miniatures? Non, toute la scène, avec les poupées et tout. Ouais. Il va se passer quelque chose. Je crois qu'il te faut une clé si tu veux t'amuser là-dedans. Une clé. Où peut bien être cette clé? Attends, qu'est-ce, le fantôme? Quoi? Tu l'as pas vu? Non. Tu regardais ton portable, abruti! Qu'est-ce que tu tweets là? Hashtag, y'a un putain de fantôme à notre house! Ash, calme-toi, ok? Il n'y a aucun fantôme ici. Fantôme de quoi? Tu flippes à cause de ce qui est arrivé à Josh? Mais t'écoutes pas ce que je te dis, je l'ai vu! J'ai vu un fantôme et il ressemblait à Anna! Attends, quoi? Ou alors un peste! Sérieux, Ash? Tu crois vraiment qu'elle nous suive depuis la séance? Je sais pas, peut-être! Eh ben non, parce que les fantômes n'existent pas, ok? Ok, alors qui nous parlait à la séance, hein? Je te le demande! J'en sais rien! Mais qu'est-ce qui se passe? Du mur comme ça. Ouais, il va commencer à nous croire là. Ah, la clé. Donc je sais pas, mais le fantôme soit d'Anna ou de Beth nous aide. Oh putain! C'est là! Regarde là-bas, Chris! Dis-moi que tu le vois là maintenant! C'est. Alors? C'est. Tu le vois, non? Je sais pas, c'est juste. Ah, il l'a vu là. C'est juste dingue. Chris, il nous montre la voie. Ah d'accord, c'est moi qui bouge. D'accord, je m'attendais que Ash bouge tout seul, mais finalement, ce n'est pas le cas. Oh, c'est pas croyable. C'est comme si le fantôme voulait que je vois ça. Quoi? Wow, qu'est-ce qui se passe ici? Oh non, on dirait... Non, nous. Pas on dirait, c'est vous. Quand vous attendiez Anna, l'an dernier. Mais c'est trop précis, c'est exactement où j'étais et pareil pour Matt. Quelqu'un a dû faire ça, il était là. Quelqu'un ou quelque chose qui nous observait. C'est peut-être un avertissement, quelqu'un a dû... Je crois qu'on a mis ça ici pour nous faire peur. Non, c'est forcément le fantôme. Il veut nous dire que le taré a tué Anna et Beth. Je crois que c'est cet enfoiré qui veut nous voir péter les plombs. Et pourquoi est-ce qu'il ferait tout ça? Il veut nous dire qu'il va tous nous buter, c'est tout. Eh merde. Non. C'est le journal d'Anna. Maman finit par dire oui. Les invitations sont parties, la fête va avoir lieu. Je déteste devoir attendre. Jusque-là, Ash, Matt et Sam ont dit oui. Pas de réponse de Mike. Oh mon dieu, Mike a confirmé. Il a appelé Josh cet après-midi. Ouh, demain c'est la fête, on va tous se retrouver à la montagne. Ce sera de pures vacances au coin du feu. D'accord, je vais laisser lire si elle lit là. Il y aura Mike. Je suis tellement pressée de le retrouver. Je peux pas lire ça. C'est trop triste, Chris. Faut que j'arrête de penser à lui, mais je n'y arrive pas. Je ne veux pas. C'était quoi? Ça venait de là-bas. Ce serait la porte du fond qui serait ouverte. Mais tu vas vite, mon cher Chris, là. Pas sûr que je veux rentrer là-dedans. Est-ce qu'on va le faire? On n'a pas trop le choix. Hein.
Et putain de merde. Oh putain, ça m'a fait faire l'un de ces sauts, les amis, là. Ouf, j'ai les poils tout hérissés, là. Regarde par là. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça semble moins vieux que le reste, non? C'est un catalogue d'ampoules industrielles. C'est tellement absurde. Ah oui, c'est clairement ça. Regarde. Lampe d'origine. Catalogue d'ampoules. Un catalogue spécialisé dans les ampoules. L'ampoule entourée se branche dans un certain type de projecteur. C'était déjà bien glauque, mais alors là... Oh putain! C'était quoi? Des fois, lorsque la caméra change, tu sais, je veux dire, j'avance d'une certaine façon. Elle est immense! Chris, je sais pas si je veux continuer. Moi non plus d'ailleurs. Mais où... où est-ce qu'on est, bordel? C'est une blague. Tu savais ce qu'il y avait là? Ça, on dirait un autre hôtel. Je savais pas que c'était là. Je pourrais pas supporter ça plus longtemps. Ouais, c'est vrai. J'atteins mes limites, moi aussi. Tout ce que je voulais faire, c'était oublier ce qui s'est passé l'année dernière et... Franchement, pas sûr qu'Anna savait ce qu'elle faisait. Ouais, enfin, tu sais ce que c'est quand on est à fond sur quelqu'un. Génial, donc en gros, tu me dis qu'on a placé une amie vulnérable dans une situation atroce et à cause de ça, elle s'est enfuie et on n'a plus jamais entendu parler d'elle. Ouais, on peut pas dire que c'était pas le cas, là. Tu crois pas que tu te serais enfuie? Enfin, t'aimerais pas qu'on se moque de toi. Personne ne se moque de moi. Pas devant toi. Hein? On l'a fait passer pour une conne. Devant tous ses amis et le gars qu'elle aimait. Je peux pas imaginer faire pire à quelqu'un. On en apprend un petit peu plus. Mais avant d'aller plus loin, les amis, ce sera là-dessus que se terminera cet épisode d'Until Dawn. J'espère que vous l'aurez apprécié. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et vos commentaires. On se retrouvera très bientôt pour la suite. Allez, ciao, ciao!